La prière aujourd'hui est spécifiquement un moment de commémoration de la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur, qui est venu pour l'humanité. Il y a un jour où Dieu a pensé à l'homme pour sauver l'homme de ses péchés. Il est le seul qui est né parmi nous, qui a vécu sur la terre. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant et il revient encore. Donc en ce jour particulier, nous sommes réunis pour célébrer sa naissance. C'est pourquoi nous sommes là. Nous croyons certainement que Dieu répond à la prière. C'est notre devoir en tant que l'Église. La Guinée traverse un moment difficile. Nous sommes vraiment éprouvés à la fin de cette année. Mais nous croyons que l'Église a toujours positionné lui-même pour prier parce que Dieu nous a demandé de prier au moment où les choses sont difficiles et qui nous exauce. Et c'est la foi que nous expérimentons toujours. Nous avons prié pour notre nation, nous avons prié pour nos leaders. Nous croyons que ce n'est pas facile pour eux pendant ce temps-là, mais l'Église a prié. Et lorsque nous prions, Dieu exauce. Nous croyons qu'après l'épreuve, Dieu apporte la bénédiction. Donc nous ne sommes pas effrayés, nous ne sommes pas paniqués par ce que le diable est en train de faire. Lui fait son travail, mais le Seigneur aussi fait son travail. Et nous croyons que la paix est certaine pour notre nation.